fait le marché de Neuilly comme moi, que j'adore. Et c'est amusant parce que je ne sais pas pourquoi, je pensais à vous l'autre jour à cause de Bougival, d'Elisabeth de Pardieu. Ça a été une période très particulière qui, moi, m'a beaucoup touchée. Elisabeth donnait des cours et elle invitait certaines personnes. C'était au moment où Gérard Depardieu jouait, je crois, la chèvre, parce qu'on voyait défiler tout le monde, on faisait des grandes fêtes. Il y avait Pierre Richard, il y avait Barbara. Barbara, on se retrouvait avec Barbara. C'était incroyable, il y avait tout le cinéma français, il y avait Isabelle Adjani, mais comme des copains dans son jardin. Et je me souviens d'une anecdote marrante. Moi, Gérard Depardieu, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Absolument. Il était très sympa, il nous faisait plein de photos. J'ai des photos incroyables. Il y a ma fille venait de naître. Et moi, je me souviens un jour, on a fait un truc déguisé. Mon amie, elle était habillée en homme. Moi, j'étais habillée en femme. Et je me souviens que ce jour-là, il y avait Gérard. Il y a une fille qui voit un blouson, mais un blouson de prix. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il est beau, ton blouson. Gérard, mais sans réfléchir. Ah, tu le trouves si bien que ça? Tu trouves qu'il est beau? Tu vas se demander où il allait. Eh bien, écoute, il est pour toi, je te le donne. Et ça, c'est Gérard Depardieu. Cette générosité, il est unique. C'est un je personnage suis complètement fascinant. D'accord, parce que je connais quelqu'un qui avait un papa qui, malheureusement, avait le cancer. Et la personne n'avait pas assez d'argent, parce que ça coûte très, très cher pour soigner le cancer. Il l'a appris et il a donné tout l'argent pour sauver cette personne qui d'ailleurs avait été sauvée et a vécu très longtemps. Donc moi, je l'adore. Monsieur de Frappé, au revoir et on se voit très souvent. Oui, à très bientôt. Et vous, je suis fasciné parce que vous avez eu les plus grands acteurs. Vous avez une agence exceptionnelle. Ma fille vous a croisé d'ailleurs aussi, vous lui avez donné de très bons conseils quand elle était comédienne. Comme en ce moment mon fils veut faire un site sur moi et sur mon mari, donc je suis obligée de regarder des photos que je n'ai jamais regardées pendant peut-être 40 ans. Et je vois des photos, j'ai aucun souvenir. Et les souvenirs parfois remontent quand on voit les photos, comme ça on se dit tiens, mais qu'est-ce qu'il y a? Parfois c'est le fil d'Ariane. Bon, bah, j'espère. Et bah, cas, bonne continuité et bon Merci. Marché. Après le festival de Deauville. Voilà.